Salut, c'est JC. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une vidéo que j'ai vue sur internet qui concerne le youtubeur Alex Levent, je crois. Moi, j'espère que c'est le bon nom. Bon, en tout cas, j'étais très surpris. Déjà, j'étais surpris par son nombre d'abonnés. 600 000 abonnés. Moi, j'en ai 47. Le mec, il me dose, laisse tomber. Et donc, c'est un site sur la muscu. Et le gars, en fait, il donne des conseils sur la course à pied. Donc ça, c'est plus mon domaine. Bon, par contre, niveau muscle, là, il me tabasse. Hein. Et j'étais surpris un peu par le nombre de vues qu'il a pu avoir. En fait, il a donné deux conseils, quoi. Il a juste dit de prendre un appui sur l'avant du pied et de profiter de la triple flexion. Et un truc bizarre où l'attaque du pied est en diagonale. Je me suis demandé si c'était pas une blague. Donc, je trouve que ces conseils, dans un sens, c'est bien, puisqu'effectivement, la triple flexion, c'est super important et c'est comme ça qu'on protège en fait son architecture. Par contre, le coup du en biais, non, c'est plutôt en bas en fait. En fait, il faut poser le pied, c'est pour ça que je voulais le préciser quand même. Il faut poser le pied en bas de son centre de gravité. Et pas devant pour éviter d'envoyer le talon justement. Et donc quand il dit l'attaque un peu en diagonale, je comprends pas bien, faut envoyer la jambe en avant. Non, c'est le pied effectivement, il arrive, mais pas comme ça. Comme ça quoi. Donc voilà, c'est un jeu de pose en fait, faut poser le pied. Donc je tenais à préciser ça. Donc j'ai envie de mettre une note. Donc je vais mettre 13. Voilà. Parce que effectivement c'est bien de dire aux gens de faire un appui médio-pied. Donc ça c'est super positif et de parler de la triple flexion. Par contre c'était pas suffisant au niveau des conseils. Et d'ailleurs, si vous voulez plus de conseils à ce sujet, je vous invite à regarder une de mes vidéos sur la course qui est plus pieds nus, mais qui peut s'adapter facilement à la course chaussée en fait. En gros, on peut courir pieds nus, ça permet d'apprendre à bien poser le pied, à bien utiliser toutes ses articulations. Mais on peut courir avec des chaussures, avec la technique pieds nus. Voilà, c'est même ce que je fais moi. Hein. Ouais, je suis en pompe là. Voilà, donc merci pour avoir regardé cette vidéo. Donc monsieur Levent, je te mets 13 sur 20. Et je me suis abonné à ta chaîne d'ailleurs, parce que tu me fais bien marrer. Je comprends pourquoi tu as autant d'abonnés. Allez, je vous dis merci et puis ciao.